Et salut les gamers, c'est Mustang et on se retrouve aujourd'hui pour une semaine spéciale Titanfall. Alors vous allez voir que tout au long de cette semaine, vous allez avoir des vidéos... Euh, de gameplay, bien sûr, qu'il y a eu sur la bêta euh, qui était disponible il y a maintenant deux semaines. Donc, j'ai voulu vous faire les vidéos avant, mais il euh, y a des trucs euh, perso dans ma vie perso qui sont arrivés. Du coup, euh, ça a été reporté. Je voulais les mettre en fin de semaine dernière, mais en fait, j'ai réussi à me procurer une manette officielle euh, Xbox One euh, édition limitée Titanfall. Je vais la mettre ici. Voilà, ça sera un petit peu mieux. Vous la verrez mieux. Et du coup, je me suis dit, bah tiens, tant qu'à faire, on va encore reporter ça la semaine prochaine, même si ça fait beaucoup de. même si c'est reporté de beaucoup. Euh... Au moins, je ferai une semaine, j'enchaînerai toutes les vidéos sur Titanfall. Et comme ça, vous allez avoir toutes les infos. Donc aujourd'hui, euh, ce n'est pas les vidéos de gameplay, ça va arriver d'ici un ou deux jours, rassurez-vous. Euh, on commence par cette édition limitée, il faut que je la tienne bien quand même. Cette édition limitée euh, de cette manette Titanfall. Donc par contre, je fais gaffe aux éditions limitées. Je me suis fait avoir plusieurs fois en achetant des trucs en édition limitée. Qui en fait six mois plus tard était réédité, donc c'est un peu débile, c'est juste un effet marketing. Euh, mais là pour cette manette, je pense pas, je pense pas que c'est le cas. Alors pour ceux qui veulent se la procurer, il faut savoir que pour le moment, je dis bien pour le moment, euh, vous ne pouvez la voir que comme ça. C'est-à-dire que euh, en même temps que la sortie du jeu, il va y avoir un pack d'ailleurs pour 500 euros qui contient l'Xbox One, le jeu Titanfall, une manette, mais ça sera une manette comme celle-ci. Hop, ça sera la manette de base, la manette noire comme celle-ci, euh, la Xbox noire aussi, euh, le jeu Titanfall du coup, et un mois d'abonnement au live pour euros, c'est-à-dire le prix d'une Xbox toute seule. Donc ça vaut vraiment le coup, ça sortira en même temps que le jeu si je ne dis pas de conneries. Et euh, bah, pour avoir cette manette, pour l'instant, il fallait que la précommander sur le net et c'est très très chaud d'en avoir, il en reste plus beaucoup. Vous pouvez commander encore je crois sur la Fnac. Euh, sur la FNAC, Amazon ils n'en ont même pas, vous voyez Amazon d'habitude ils ont plein de trucs, euh, là ils n'en ont même plus, enfin bref, faut chercher sur le net vraiment pour s'en procurer. Et j'ai réussi à en avoir une et en plus en avance parce que la sortie officielle de cette manette c'est en même temps que le jeu, soit le 13 mars, si je ne dis pas de bêtises. Euh, du coup je l'ai eu en avance, donc vraiment content. Et euh, bah ça y est, on va se lancer un petit peu dans l'unboxing, parce que là ça fait un petit peu de blabla, mine de rien. Donc les, déjà, le packaging, euh, qu'est-ce que je peux te dire dessus Je trouve que pour un accessoire console, ben, c'est vraiment bien foutu. Je crois que c'est le premier accessoire console que j'achète où le packaging est aussi beau. Quoi. Là, je ne sais pas si vous allez voir la cam. Peut-être si je bouge un petit peu, ça va faire un reflet, non Peut-être pas. Il euh, faut savoir que là, la manette, en fait, c'est comme si c'était un autocollant. Vous voyez, c'est en relief un petit peu, donc assez sympa. Euh, sur le côté, qu'est-ce qu'on a ici On voit encore une image de manette. Hop, de l'autre côté, on voit que dans cette boîte, il y a bien sûr la manette. Il y a aussi des piles, parce que, euh, bah parce que ils veulent pas foutre le, le chargeur fourni avec. Il faut l'acheter à part le chargeur. Je crois que c'est 20 euros, donc ça c'est un petit peu dommage. Et ensuite, on a bien sûr derrière un sublime dessin du jeu. Vous voyez c'est magnifique franchement. Euh, J'hésite même, je sais même pas si je vais découper la boîte et juste garder le petit carré. Ça va faire un mini poster que je pourrais foutre sur le côté de mon bureau. Je sais pas trop où. Euh, mais je vais peut-être faire ça. Et du coup, euh, bah, on va comparer ensuite par rapport à euh, la manette de base. Hein. Vous voyez que j'ai juste à côté. Et on va voir du coup ce que ça donne. Donc, je vous ai gardé l'exclu parce qu'il faut savoir que je l'ai reçu déjà il y a deux jours. Euh, J'avais vraiment envie de l'ouvrir. Euh, mais vous pouvez voir que, regardez, ça n'a pas été ouvert. Je ne sais pas si vous allez voir. Hop, ici, regardez, il y a encore le petit, euh, le petit bout de scotch. Du coup, on va ouvrir ça en direct. Hop, voilà, c'est ouvert. On va voir ce que ça donne. Euh, ouais, je l'ai reçu il y a deux jours. Mais euh, je vous l'ai dit, ben, j'ai eu des trucs euh, dans ma vie perso qui ont fait... Alors, comment ça s'ouvre Ça s'ouvre comme ça, ok. Ok, ok, on va essayer de faire ça bien, apparemment ça s'ouvre comme un coffret. Donc attention, tata, tata, je fais pas de la merde, non c'est bon, ok, je fais pas de la merde. Et regardez ce bébé, ok, déjà elle est plus, euh, plus grosse que ce que je pensais par rapport au dessin de la boîte, euh, quand même assez belle, donc je vais la tenir par contre pour pas qu'elle se casse la gueule. Hop. Ah ouais, elle est vraiment jolie, donc là je la regarde un petit peu vers la cam, mais je vais la regarder en vrai. Ouais, vraiment sympa, par contre, what the fuck, il y a de la poussière dessus <laughs> Il y a de la poussière dessus. Euh, ça vient peut-être du, du carton. Euh, je sais pas, mais ouais, 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 ouais. Elle est vraiment belle. Donc l'effet coffret, avant que je la déballe, hein, le... Putain, décidément j'ai des mal. L'effet coffret est vraiment cool. Hop, si j'arrive. Oh, ça fait là, le bruit, désolé pour... parce que le micro est à côté. Euh, l'effet coffret est vraiment sympa. Du coup, allez hop, on s'en branle. On va la sortir pour la comparer à l'autre. Hop, on va mettre ça là. Hop, d'ailleurs, il y avait les piles. Les petites piles cachées en dessous, du donc ça va ils nous mettent pas des piles de merde non plus. Euh, du Et du coup, je ne sais pas si c'est moi, mais elle me paraît plus légère. Donc là hop, je vais nous mettre comme ça que vous voyez un petit peu. Donc là l'arrière on peut voir que ça ne change pas trop. Juste la coque hein, qui est blanche. Le design devant... Voilà, donc après c'est à vous de voir vos préférences. Moi perso, je la préfère largement en blanc avec euh, les sticks ils nous restaient noirs. Donc ça, ça va, c'est cool. Ça ne sera pas salissant pour les sticks. Euh, parce qu'on sait que les... si les sticks étaient blancs avec nos grosses papates, hein, ça ferait dégueulasse. Et euh, au niveau du toucher, par contre, la texture n'est pas la même. La texture est pas la même. Là, c'est plutôt euh, la... Putain, je n'arrive pas à caler ma... Là, si, quand on touche la manette, c'est plutôt rugueux. Et là, c'est plutôt lisse. Hein. Donc, comme si ça glissait un petit peu. Euh, parce que je pense que c'est dû forcément à, à l'imprimer. Mais euh, la manette est vraiment classe. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Mais euh, ça fait vraiment classe. Bon, après, euh, Titanfall, là, ils ont mis du orange, euh, orange-blanc. Mais le jeu, vous allez voir dans les gameplay, c'est plutôt gris. Quoi. Gris, méca. Enfin, ce n'est pas trop ces couleurs-là. Mais euh, moi, je le trouve super classe. Ça fait un petit peu... Euh, un petit peu Remember Me. Pour ceux qui connaissent le jeu. Donc, bien sûr, les boutons n'ont pas changé. En fait, il n'y a que la couleur de la manette qui change. Euh, donc, qu'est-ce qu'on a écrit dessus RC08, Lastimosa Armory, Restricted Constable, série. Ah, il y a un numéro de série dessus. Je ne sais pas si vous pouvez le voir. On va zoomer. Je ne sais pas si ma cam va faire le focus. Non, vous n'allez pas le voir. Mais ici, là où il y a mon doigt, il y a un numéro de série. Donc, je ne sais pas si c'est un vrai ou si c'est imprimé sur toutes les manettes. Euh si toutes les manettes ont le même. Et euh, l'arrière, je ne l'ai pas montré. Hop, c'est comme ceci. Donc voilà, c'est un unboxing très très rapide. Donc si vous voulez la procure... vous la procurer, ben, cherchez sur le net. Moi personnellement, pour l'avoir en avance, je l'ai eu sur un site auquel euh, déjà je ne le connaissais pas, je ne commande jamais dessus. C'est Redcoon.fr, donc c'est R-E-D-C-O-O-N.fr, Redcoon comme ça s'écrit. Euh, c'est un site que je ne connaissais pas. J'ai eu vu des avis sur le net avant de commander. J'ai quand même hésité. Hein. Je me suis dit, est-ce que c'est de l'arnaque C'est bizarre de la recevoir en avance, etc. Euh, je me suis dit, est-ce de l'arnaque parce qu'il y a des avis sur le net qui disent que ce site n'est pas trop trop fiable. Vous avez 50% de chance de vous faire oublier votre colis. Enfin bref, c'est pas trop ça. Euh, moi j'ai eu du bol. Donc après c'était peut-être des vieux avis. Je ne sais pas. Ça a peut-être changé depuis. Euh, mais j'ai eu du bol. faut savoir que la manette coûte 65 euros. Euh, et ce n'est pas forcément parce que je l'ai eu en avance. Hein. Tous les tous les sites sur internet l'affichent à ce prix. Euh, les précommandes c'était fixé à 65 euros. Euh, donc, je crois que c'est un petit peu plus cher qu'une manette de base. Donc, forcément, c'est une édition limitée. Hein, tout ce qui est en édition limitée, que ce soit les coffrets collecteurs, etc., c'est toujours plus cher. Mais je ne le regrette pas. Et comme ça, euh, avec mon pote Kevin, pour ceux qui connaissent, vous avez vu notre vidéo spéciale sur Rayman Legend, on va pouvoir se faire des délires à deux sur la One. Donc, bien sûr, moi je lui filerai la, la manette de base. Hein, moi je préfère celle-là, elle est trop stylée. Euh, et vous allez avoir des petits gameplay. La prochaine fois que je le reverrai, je ne sais pas trop, parce que je vous l'ai dit, il est sur Paris. Euh, petite info avant de finir cette vidéo. Donc, je vous ai dit que vous allez avoir les gameplays Titanfall qui vont arriver cette semaine. Vous allez avoir le nouveau let's play sur South Park. Euh, le bâton de la vérité. Et vous allez avoir aussi, puisqu'on arrive bientôt aux 600 abonnés, merci à vous hein, encore d'être de plus en plus nombreux, vous allez avoir aussi, euh, peut-être pas cette semaine, parce que le montage est très très long pour ce genre de vidéo, j'essaye vraiment de faire ça bien, euh, la suite de euh, notre, nos aventures sur, euh, avec moi et Kevin sur Rayman légende euh, Il y avait encore pas mal de conneries. Rappelez-vous, je vous avais fait le premier épisode, le premier épisode où on avait euh, déjà fait euh, pas mal. Et là, c'est la suite qui sera, je sais pas, peut-être moins bien, mais il euh, y a encore pas mal de conneries à vous montrer. Oui. Du coup, j'espère que ce petit unboxing de cette manette Xbox One Titanfall vous aura plu. Moi, je vous dis peace et à la prochaine pour plein d'autres vidéos. N'hésitez pas aussi à me suivre si vous adorez mon boulot. Enfin, peut-être pas adorer, mais si vous aimez bien mon boulot, à me suivre sur Twitter ou Facebook parce que quand vous n'avez pas de vidéo pendant deux jours, il faut savoir que sur Twitter et Facebook, je poste énormément. Il y a au moins minimum un message par jour, voire deux, trois, souvent. Euh, je poste plus sur Twitter parce que c'est plus simple. Mais euh, sur Facebook, je suis vraiment actif. Donc, n'hésitez pas à me suivre, à vous abonner. Et moi, je vous dis pisse, pouce bleu et à la prochaine, allez ciao tout le monde